Bonjour à tous, je suis Nelson Arjovic, consultant senior chez Barnes. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du 1er arrondissement, rue de l'Amiral de Coligny. Je vais vous emmener voir un appartement absolument exceptionnel. Suivez-moi. Nous sommes dans un appartement situé au 4e étage avec ascenseur qui fait un peu plus de 170 mètres carrés dans lequel vous avez actuellement 3 chambres, un bureau et un séjour. L'appartement il a été entièrement refait, désossé, par un architecte de renom il y a environ 5 ans. Le brief pour cette rénovation était de mêler à la fois les codes de l'ancien, donc conserver les éléments de l'ancien qui existaient, tout en gardant la fluidité d'un plan moderne et tout son confort, évidemment l'appartement est climatisé. Ce qui rend cet appartement unique, c'est la situation. Il est situé donc à l'angle du quai François Mitterrand et de la rue de l'Amiral de Coligny. On est face au Louvre, avec la Seine à notre côté et l'église Saint-Germain de l'Auxerrois de l'autre côté. Donc c'est vraiment un appartement qui est au cœur du Paris historique, avec une vue sur différents monuments qu'on va vous montrer après. Je vous propose d'aller voir le reste de l'appartement ensemble. Je vous emmène, allez, suivez-moi. Les habitants de cet immeuble ont la chance d'avoir une gardienne à demeure qui s'occupe de ce bâtiment avec beaucoup d'amour. Le séjour qui donne également sur le Louvre, on ne s'en lasse pas. Nous sommes plein ouest. Je vous laisse imaginer le coucher de soleil. On peut passer ses journées à admirer tous les plus beaux monuments de Paris, habillés ou déshabillés. Vous noterez en effet qu'il n'y a aucun vis-à-vis. Attention au coup de soleil orange. En ce qui concerne la décoration, on note les tons contemporains avec quelques touches d'Afrique. On apprécie le mélange entre les codes de l'ancien, du charme parisien avec le parquet point néon gris massif, la cheminée, les moulures d'époque et aussi les touches d'exotisme nous faisant voyager à travers l'histoire mais aussi à travers le monde. La cuisine, qui est ma deuxième pièce préférée. On terminera avec ma préférée afin de faire durer le suspense. Alors cette cuisine, elle est très conviviale. On s'y projette dans toutes circonstances, que ce soit pour recevoir des amis, cuisiner en famille ou y travailler. On a la place pour largement pour y accueillir une dizaine de convives. Ce qui rend cet appartement absolument unique, c'est ses vues. Côté ouest, on fait face à la monumentale façade principale du Louvre, qu'on appelle aussi colonnade du Louvre, considérée comme un des chefs-d'œuvre du classicisme français. Et on aperçoit également la Tour Eiffel, l'Institut de France, la coupole du Dôme des Invalides ou encore la Seine. Vous noterez aussi cette succession de 5 grands doubles portes-fenêtres, ce qui donne une magnifique perspective. Personnellement, j'adore, ça donne beaucoup de profondeur à l'espace.
ma pièce préférée, ce superbe bureau en angle dans le prolongement du salon. Côté nord, nous faisons face à la remarquable église Saint-Germain-l'Auxerrois, aussi appelée paroisse des artistes. Et côté ouest, toujours le Lot. On s'imagine assez bien y travailler, y lire un livre sur une chaise longue ou bien y méditer, avec évidemment le risque d'être distrait par la vue. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail dans la réalisation du plan, la circulation est fluide, les espaces nuit et les espaces jour sont compartimentés, toutes les chambres donnent sur cour et sont donc au calme absolu. Les propriétaires y dorment les fenêtres ouvertes, ce qui est un vrai luxe lorsqu'on vit à Paris. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que l'appartement vous a plu et que j'aurai l'occasion de vous revoir lors d'une visite. Vous pouvez me contacter à tout moment pour que je puisse vous montrer un peu Paris et l'un des nombreux biens que j'ai à la vente. Je suis Nelson Arjovic et je travaille chez Barnes. À bientôt.